pas de jet. Ah putain, mais la hype! Putain, j'en peux plus, c'est le stress là, je sue. Vraiment, les amis, je sue quoi. Oh là là! J'ai failli me crasher quoi. Fais attention. Yeah. Oh, t'inquiète, t'inquiète. En général, je prends de l'avance quand je vais faire autre chose. Alors, du coup, est-ce qu'il y a d'autres? 10 centimes par faloute, bon défi. Est-ce qu'il y a d'autres défis, des questions qu'Al Benzaï pourrait répondre? Moyennant finance, non pas pour nous évidemment, bon, et pour si, si à 50 balles populaire. Tu sens tomber sur Bible Black, je veux bien parler de Bible Black, hein, y a pas de souci. Ah, le petit beurre, est-ce que quelqu'un a balancé 50 balles pour le petit beurre ou pas? Ah, bah alors calme-toi bien, rappelle tes chiens là. Benzaï, tu as préféré MGS5 ou Tomb Raider? Tomb Raider est largement plus court à faire, mais c'est une expérience plus plaisante. Ou quand j'ai fini Tomb Raider, j'ai fait ah putain, je le referai en hard, alors que MGS, j'ai dit plus jamais ça. Celui qui vient de sortir là de Tomb Raider, ouais. Carrément plus jamais ça. Ça t'a dégoûté. MGS, il faut 70 euros pour. J'ai pris 60 heures, je crois, pour voir la vraie fin. Et du coup, quand t'arrives à ce niveau de jeu là, tu vomis les maps, tu ne veux plus jamais y retourner quoi. Quand t'as ces putains de gosses là, d'enfants soldats, qui s'évadent de ta base, ils sont là genre oh mon dieu, ils ont été éparpillés par à travers le monde, il faut les retrouver. Où est-ce qu'ils sont? Ah ben dans les mêmes caravanes en Afghanistan où t'as trouvé les premières crottes de chien du jeu quoi. Il fait ok génial, merci bien, vive l'imagination quoi. Comment tu veux genre penser à la cohérence d'un quelconque open world quoi? Alors personne a craché hein, pour que je sois en mode moustache. Non, c'est pas grave. Vous avez plus de thunes ou quoi? Pourquoi les seins de Lara du jeu baisseraient de volume? J'ai la hype que dès que j'entends, c'est comme le Père Noël quoi. Genre, t'es là genre, oui? Eh ben non. Oh. C'est pas lui. Mon dieu. Ah mais le gameplay de MGS est très bien, j'ai toujours dit c'était 10 sur 10 en gameplay. C'est pour ça que la boucle de gameplay elle-même est plaisante en fait. Ou que l'expérience de jeu globale est bonne. Après, voilà, en gameplay, oui, c'est intestable. Et de toute façon, il n'y a pas à comparer le gameplay de Tomb Raider et d'MGS. Hein. Les jeux n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir, donc c'est rien compliqué effectivement de comparer l'un et l'autre. Ah, il y a un lien, qu'est-ce que c'est? Vous savez, tu jouerais un jeu action RPG sur le thème principal, le rêve, jeu dev. Oui, mais tu peux aussi t'épargner ce calvaire et jouer à Alundra. La qualité de Benzaï commence à manquer de flou. Bah, en même temps, ils ont bien crashé leur trip hier. Ils ont fait le taf. Hein. Et permis au stream, genre en plein milieu de la nuit, hein, de rester à flot au-dessus des 700 viewers. Hein, donc c'est quand même beau. Hein. Ouais, ouais, clairement, ça a fait le taf. Second rasoir, me dit-on. Oh là là. Il a niqué un rasoir. Le mec qui fait abandonner les rasoirs. Quoi. Alors, je crois qu'elle est usagée. Hein, Benzaï, si je te dis Jean-Marc et Freddy, ah, là, là, les deux plus gros sucks de Far Cry, bien sûr. Tiens, de la dynamite, mais tu déconnes, Freddy. Et Jean-Marc, t'es un bon papa pour les poissons. Mais oui, utilise ça. Tiens. Quoi? De la dynamite? Mais ça va pas, Freddy. Ça, c'est des dialogues authentiques de Far Cry, les amis. Hein. Far Cry, c'est un bon genre. Qu'est-ce qu'il fout, Jabba? Il est en train de se raser, il a éclaté les premières lames de Gérald. Ah, le rasoir est mort de peur en même temps. C'est la dernière, alors là ça se trouve il va être rasé à 3 quarts et il pourra plus pas faire mieux. Ça sera encore mieux je crois, ouais. On pourra pas rêver mieux. Putain, bouffer deux fois 3 lames quoi. Faut le faire. Pour se raser une fois. En une seule fois. Le mec c'est... Il faut ramener lui une ponceuse hein, franchement. Est-ce que la régie prépare quelque chose pour l'arrivée de Jay? C'est une bonne question, alors on m'a dit qu'il restait 20 heures de live. Ah ouais. C'est on entre dans la dernière ligne. Il reste 20 heures de live pile poil. Oh là là, c'est beau. C'est beau, on y arrive là. On y arrive, on est bientôt si proche du record de l'année dernière. Si on arrive à le faire péter ce soir, ça serait fabuleux et on pourrait le faire péter grâce à des défis comme le rasage. Moi, je trouve que tu serais vachement bien avec la moustache, Benzaï, pour le coup. Ah mais je sais que ça me va bien dans le sens, ça me va pas. Dans le sens, on est transporté d'un coup dans les années 80 et ça fait un peu message à caractère informatique si je laisse juste la moustache. Et on a fait une annonce pour les 20 000, on en a parlé 50 euros et Benzaï fait tous les bruitages de mort de Far Cry. Oui, bien sûr. Sur les 20 000 euros, bien sûr que je te refais tous les bruitages de mort de Far Cry pour 50 euros, il n'y a pas de souci. Faites-moi penser quand même à parler de Jem et les hologrammes à Jed dès qu'il arrive, hein, c'est important. Tout à fait, que Jed appelle Julien.
Et on est bon. Jay, visiblement, qu'est-ce qu'il y a? Ça te change, ça te change vachement. T'étais vachement bordel. Différent. Fallait pas te raser le crâne, Jay, bordel. Alors, c'est pas ça. J'avoue que tu rasé le crâne, t'es plus le même homme. Alors, allez voir sur Periscope. Des Airbus FR sur Periscope. Balance sur la. Ah ouais, putain, c'est beau. Hein. Wow. Oh là là. Waouh. Des Airbus FR, Periscope, les copains. Il se passe des choses. Hein. Aïe, 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 il se passe des choses. Magnifique, exceptionnel. Oh là là. Formidable. Merci, président. Et est-ce qu'on peut donner 1000 balles pour que tu te colles la barbe de Jess sur la tête pour faire des cheveux? Ce serait dégueulasse, mais pour 1000 balles, il n'y a plus de respect. Non. La barbe sale. Ah, déjà que le mec n'a pas voulu faire le cosplay Miko Black. Ah ouais, alors j'ai été déçu. Hein. Alors qu'il est venu en Ruby Road hier. Hier, il est venu en cinquième élément. Là. Je pensais que tu serais déguisé pour recevoir ton... Ton patron. Michael, apparemment black screen sur Periscope, disent nos amis sur le chat. Ah mais après il y a des gens qui ont peut-être des téléphones de merde quoi. Vous avez eu le lien hein. Ouais. Apparemment ouais, ça marche plus sur le téléphone. Ça marche sur PC, téléphone mais pas sur PC. D'accord. Alors juste... Karaté s'arrachait la gueule. Alors. Mister Karaté a bien eu le message, il vient de tweeter. Ouais. Alors, je cite, hélas je ne peux pas. Oh. Merde. Mais je vous embrasse tous et bon courage pour la suite et à l'année prochaine j'espère, des bisous. Okay. Merci Karaté, ouais, on l'applaudit quand même. Merci, ouais. Parce qu'il a restreamé vite fait. Ouais, merci ouais. Cool. Et ben c'est pas grave. Chou clan. Tu peux lui répondre avec le désarbus officiel ou pas? Oui. Ben, réponds-lui, passe demain ma couille. En gardant le ma couille. Très important. Oh là là, il y a le stream. Alors, il est attends, là. Viens voir sur la GoPro ce que ça donne. Voilà, mets-le sur le terrain, avoir un truc à la cool. En fait, je trouve qu'on est mal assis sur ce truc. Ça va switch sur la GoPro. Ah, voilà. Voilà, sur la GoPro. Penche-la un petit peu vers l'avant. Alors, par contre, il y a tous les commentaires qui gâchent le truc. Penche un peu. Ouais. C'est beau, hein. Voilà. Oh là, oh là, là. On le reconnaît plus. Oh là là. J'ai cru que t'étais une fille. Oh là là, la jeunesse d'un homme. Oh mon dieu. Oh là là. Francis Lalanne. Bah c'est ça, c'est qu'en fait, avant c'était Jésus, maintenant ça va être Francis Lalanne. Mais c'est le hardcorner. Ah bah c'est le vrai. Hein. Ça lui va beau, beaucoup mieux que. Il a la perruque, vrai, hein, en fait. On est d'accord. Oui, il a la perruque à mettre, totalement. Oh là là, ça va être beau. Oh non, la petite moustache. Ah non, putain. Moustache. Ah là, ça va être bizarre. Hein. Ouais. Oh le malaise. Oh là là. Ah, c'est compliqué là. Putain, je vais me cracher en fait à regarder cette connerie. Mais attends, le micro à chef il est là, il me fait chier, bordel. Voilà, il est en route, il arrive, et ensuite ça va être éducation sur Jamel les hologrammes. L'appel à Julien. Est-ce qu'on a eu des dons un petit peu exotiques là récemment? Ou des dons même tout court peut-être sans forcément de... Non, on est au point mort là pour le moment. Il n'y a pas eu le don pour appel à Julien Chiez. Il y a eu le don pour la perruque, il y a le don pour Jamel les hologrammes. Il n'y a pas eu un don de 50 balles pour Bible Black. Dis-moi pour le tableau. Tu sais, dédicacé par, par les développeurs de Gears of War. C'est des enfoirés... On est d'accord, c'est le 1042 qui remporte, d'accord. On a demandé, Benzaï, est-ce que tu peux couvrir ta calvitie avec la barbe de Jay? Mais il faudrait pour ça que j'ai une calvitie, ça s'appelle des golfs, en fait, c'est juste mes cheveux qui sont portés en mode Vegeta. Et c'est pour ça que je suis le prince des Saiyans. Voilà, donc du coup, non, il n'y aura rien. Je ne peux pas combler ce qui n'existe pas, je n'ai pas de calvitie. Même si Karaté a dit, mais pourtant t'as un front national, quoi. Ah non, mais il est fort. Et il n'a pas tort. Du coup, on attend avec impatience Jay. On peut expliquer le concept SVP. Alors, le but, c'est de jouer dans le jeu qui est dans le coin, là. Je joue vraiment, regardez, hein, quand je claque gauche, gauche, gauche. Mais en fait, il faut juste rester appuyé sur l'accélérateur et appuyer sur gauche de temps en temps pour recadrer le bus dans la route, parce que c'est un bus qui tire un peu à droite. Et donc, c'est de conduire pendant des heures et des heures pour arriver jusqu'à Seattle, je crois. Las Vegas. Jusqu'à Las Vegas, voilà. Las et repartir Vegas. Vers Seattle ensuite.
Et oh là là. Et au bout de 5 heures, il y a un moustique qui vient s'éclater sur le truc. Et au bout de 8 heures, je crois que c'est la nuit tombe. Donc ouais, ça, on est bon, on est bon. Ouais. Ah, c'est ça. Putain, tu arrives à Las Vegas au bout de 8 heures. Il y a... Ouais, c'est ça. Il y a 100 euros pour la moustache. Sauf que 1000, ils n'arrivent pas encore. Il y a 100 euros en don simple. 100 euros pour la moustache, ouais. Non, c'est, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Non, non, non. Parce qu'après, je suis en moustache tout demain et tout. Alors, Iris. Ah oui, c'est trop chiant. Pardon pour le stream, effectivement, on nous a parlé. Donc voilà, dorénavant, on répétera les questions qui nous sont posées par des gens qui n'ont pas de micro, parce que c'est vrai que c'est bête. Ah, putain, tout le monde est dans l'expectative. Waouh. Alors, allez, la moustache, moi je la mets pour 500 balles. Mais pas 100 balles. On n'est plus à ça près, les amis, là. C'est bon, vous avez de la thune chez vous. Tout peut se cumuler, c'est pas un don unique. Benzaï, petite blague, c'est quoi le point commun entre un tsunami et un Ricard? Je sais pas, pour le coup. Alors, la réponse. Benzaï, si j'ai un don de 25 euros, je peux choisir une zik? Oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr, évidemment. On l'a fait sur 4 musiques d'affilée. C'est pour l'assaut, accepte les 100 euros, Guopo. Mais pas pour la moustache, accepte 100 euros en don simple. S'il y a 5 dons de 100 euros à la suite, je foutrai moustache. Mettez-vous d'accord sur le chat, je ne sais pas. Mais... allez, en cumulé 5 fois 100 euros et après on me bip. S'il y a 5 fois 100 euros d'affilée là, dans l'heure, là, je vais me mettre en mode moustache. Et pour le tableau, en mode végétal à moustache. Attends, merde, ça c'était Maurice Sarfati, ça. Le prince de Saiyan. Je garderai seulement la moustache. Sangoku n'aura qu'à bien se tenir. Alors, le micro de Curry est mort. C'est toi, Curie. D'accord. On n'a pas de chance avec les micros ce soir. C'est... Mais non, mais il n'y a pas de début de calvitie, Docteur Oct. Je ne peux pas combler ce qui n'existe pas. J'ai juste la coiffure du prince des Saiyans. Nous, les Saiyans, vieillissons moins vite que les humains. Ah oui, le Vegeta dans Dragon Ball, j'y étais. Ah bah oui, bah avec sa moustache. Le Vegeta moustache, bien sûr. C'est totalement ridicule. Merci beaucoup. Il y a de l'eau, du moins il y a de jour. Ah bah attends. Ah d'accord, la différence. Ah voilà. Donc le point commun entre un tsunami et un Ricard, c'est plus il y a d'eau, moins il y a de jaune. Bravo. 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 Alors que bravo. Allô. Parler du racisme, hashtag voilà. Le petit beurre. Voilà, bravo. On y retourne. Niqué, quoi. Ceci, on y retourne, nickel. On a besoin de toi, parle de racisme. Ah, j'ai jamais compris, quoi. Le 100 euros. Petit lettre pour parler de Bible Black. Oui, mais il sera cumulé dans la moustache aussi. Donc tu peux balancer 100 euros. Oui, parce que tu peux faire les deux. Mmh. Effectivement, ouais. C'est totalement cumulatif. C'est cumulable, ouais. Ah, Benza, la blague des pyramides. Alors je raconterai la blague des pyramides qui enjaille la France entière pendant des années. Pour 50 euros, je raconte la blague des pyramides. Je raconte la blague des pyramides et je la fais durer très longtemps. Vraiment, genre. La blague des pyramides, ce sera une punchline qui mettra longtemps à arriver, il y aura du suspense et tout, quoi. Oui, bien sûr, j'ai vu la vidéo de Vegeta qui réveille les gens sur Fun Radio. Pour qui me prends-tu? Pour 100 euros, Benzaï, tu nous racontes tes expériences sexuelles que tu as pu avoir. Mais non. C'est bien pourtant. Qu'est-ce que c'est ce délire? C'était bien, non? Une petite comme ça, pas forcément avec ta douce actuelle, mais un petit truc comme ça, une... Mais j'ai pas rencontré mon dépucelage, ma première mycose du gland ou je ne sais quoi. Mais c'est très bien. Non, c'est... Là, ça vire au voyeurisme, mais il y a quand même un respect à avoir, les amis. Je peux vous raconter des anecdotes qu'il y a eu sur la radio libre de vous, en fait, vos anecdotes à vous. Dire genre, ah oui, c'est vrai, la machine, elle se faisait lécher la touche par sa cousine quand elle avait 13 ans avec de la chantilly, c'est incroyable. La première fois que tu as entendu cette histoire, c'était sur Benzaï Live, mais non, je ne suis pas là pour dévoiler ma vie sexuelle. Hein. Calmez-vous. Alors, je vois Mickaël là-bas qui va apporter un nouveau cadeau à remporter. Ah là, il va y avoir du lot, là, du cadeau. Ouais. Benzaï, il a cru que l'argent se multipliait la nuit. Non, mais c'est là, on est à un taux où c'est bon. Vous demandez des requêtes, le jukebox à 10 balles, on l'a fait hier, maintenant, voilà, y a une plus-value. Quoi.
Une plus-value, on est samedi soir. Oh, ça, alors, ça a l'air cool, putain. Ça, c'est que frais, nous ça. Apportes-tu, Mickaël? Ça, ça a l'air cool. Allez. Vas-y, la GoPro est branchée, vas-y, fais voir. Ouh. Fais voir ce que c'est, ça. Un nerf. Alors. Ouais, oh, Gérald, il prend cher, là. Ah, attention, parce que... Sauf que j'ai plus de réaction. Ah, ça, c'est... Ah, ah, putain. Ah, je c'est vois. Pas possible. Mon Dieu. Et il est super content, le mec, en plus, sur la boîte. Voilà, donc il y a un nerf à choper. Qui a l'air de ouf. Qui a l'air de coûter terrible. 40 balles, au moins 50 balles, un truc comme ça. Ah, facile, facile. Un nerf facile. Pour adultes, hein, pour les adultes un peu attardés. Et du coup... Bah, j'en ai deux au bureau, donc effectivement, je fais partie de cette catégorie. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un automatique, c'est ça? De l'enchère? En mode enchère, ok. Voilà. C'est quoi le minimum? Si quelqu'un veut que je dédicace, il y a pas de problème, ou si Jay, voilà, gardez, parce que comme c'est un truc qu'on peut acheter dans le commerce facilement. Voilà, dédicacé par toute l'équipe, des bénévoles, des invités, etc. Le nerf, le fusil nerf sera disponible. Pardon. Via une enchère, donc. Et c'est quoi le minimum du coup, Michel? C'est 1,42€. On départ à 1,42€. Moi je suis chaud, je suis sûr que ça va bien partir. Seulement 1,42€? Ouais, ah ouais, ouais, je pense. Dédicacé que, attends, par toute l'équipe. Hein. Attends, Benzaï en plus il va essayer d'écrire en même temps qu'il écrit. Jusqu'à 3h15 l'enchère. Alors, du nerf, allez, qui ouais. démarre à 1,42€. Tu peux jouer d'une main. Hein. Y a pas de souci, tu vois. Alors ça, tu peux jouer d'une. Oh putain! Ah non, je vais arrêter de faire le con. Les enchères démarrent à 1,42€ pour un nerf de bonhomme. Hein. C'est pas nerf, le petit nerf. Ouais, ouais. Ah non, mais là coup, c'est le nerf pour crever les yeux de tes gosses. C'est le nerf pour faire du mal. Mais c'est le nerf à voilà. papa. Ouais. D'ailleurs, il est la découpe du flingue est basée sur un G36. Ouais. Ce fusil d'assaut, bien sûr. Automatique. Alors, attends, attention, regarde, je prends de l'avance et là, boum. Voilà. Magnifique. C'est fait. Vite, vite, quelqu'un prend ça. 1,42€ le nerf vite, dédicacé. Vite, prends ça. Ah. Il est dédicacé en plus. Voilà. Dédicacé par une grosse partie de l'équipe. Et Jack, quand il va arriver. Oh my god! Calmez-vous. Bonjour. Salut. Alors attends. Oh viens t'asseoir à côté de moi. Viens, attends, prends cette place-là parce qu'il y a le gros plan. Il y a le gros plan. Ça sort comme des baleines derrière. Bravo, bravo, Jay. Franchement, bravo. Ça c'est beau. Tu ressembles à un monarque. Bravo, ça bravo. C'est beau. C'est un monarque, un vrai monarque. Hashtag Boy George. Nom de Dieu. Waouh. Mon voilà, Dieu. Bravo, il l'a fait. Wow, il est très sport. Bravo. Bravo, Jay. Vraiment énorme. Bravo, moi. Les gens se demandent qui tu es. Ouais. Mais c'est qui lui? Il nous a quitté. Jésus, il revient. Francis Lalanne. Bravo, bravo. Vous l'attendiez, bravo. Regardez. Il est là. Ah, on dirait un peu John tiens, Romero là. Et il faut que tu dédicaces le nerf John Romero. Il faut que tu le dédicaces. C'est une enchère à 1,42€. Aux enchères. Hein. Jusqu'à 3h42, commencez à bourrer. Voilà. Dédicacé et par Benzaï, voilà, par Jay, par l'équipe. Le mec le plus sport du game. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Franchement là. C'est vrai. Tiens, je te donne un micro, Jay. Est-ce que je mérite sans déconner? Voilà, c'est fait. Et voilà, l'invité surprise était Boy George. Non, mais c'est génial. Regardez, il est là. Tu nous as manqué de fou. Hein. J'ai, en plus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un défi qui est tombé pendant que tu n'étais pas là. C'est quoi? C'était de t'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur Jem et les hologrammes quand tu reviendrais. Mais toi, tu connais bien. Ouais. Ah ouais, moi, je connais bien, ouais. T'as vu le film? Non, mais il est sorti aux États-Unis, mais je ne l'ai pas vu encore. Il s'est bien planté, c'est de la merde. Mais là, il faut que je fasse un briefing. Tu connais bien Jem et les hologrammes ou pas? Qu'est-ce que tu sais de J'aime les hologrammes? Comme ça, je t'explique attends, ce que tu sais pas. Pas ça. Ça marche. C'est le début vas-y, de la fin, ça. T'inquiète, on a le temps. Mes condoléances pour ta barbe. Bon, voilà. C'est fait. Mais ça, c'est allez, J'aime les hologrammes. J'aime, je connais un petit peu, ouais. Alors, bah, dis-moi ce que tu sais de J'aime, vite fait. Genre, qu'est-ce que t'as retenu de, que t'as regardé ça il y a 20 ans et puis tu fais bon, attends, qu'est-ce qui se passait déjà? Que, en gros, il y a deux groupes qui s'affrontent. C'est ça. Donc les hologrammes. Et les Misfits. Et bravo, putain, ça c'est GG, ouais, bravo. Nice. Et du coup, c'est quoi la particularité des hologrammes? Bah, je crois que. Le micro est off. Ah, attends, tiens. Prends celui-là.
Donc il y a les Misfits et les hologrammes. Et donc les hologrammes, c'est quoi leur délire? Les hologrammes, je crois que elle fait ça pour sa passion, machin. C'est une espèce de... Pas exactement. Elle est pas orpheline ou... C'est ça. En fait, c'est qu'elle dirige un orphelinat que son père lui a légué. Et ouais, du coup, elle a plein de sœurs adoptives avec elle. Le truc, c'est que Jem, est-ce que tu connais la vraie identité de Jem? Nine. C'est Jerrica Benton. Ouais. Parce qu'en fait, Jem, c'est pas vraiment elle, c'est une persona qu'elle met avec ses hologrammes. Parce qu'elle a vraiment un projecteur d'hologramme pour devenir la meuf rose. Sinon, c'est une blonde, tu vois, qui dirige Starlight Industries. Le nerf, c'est une enchère qui débute à 1,40€. Et en fait, elle finance l'orphelinat avec ses disques. Mais je confonds avec BCBG. Non, c'est pas pareil. C'est animé pareil, mais c'est pas les mêmes choses. Et Jem, c'est plus rock'n'roll. Et du coup, donc Jerrica Benton, en fait, finance un orphelinat avec Starlight Industries, qui est l'entreprise qui fait de la zik. Et en fait, son impresario, le numéro 2 de Starlight Industries, bien sûr, c'est Eric Raymond, l'ancien collaborateur de son père, qui a la voix de Ken le survivant. Philippe Auguste, bien sûr, hein, big up. Et il se trouve que Eric Raymond, en fait, a une nouvelle idée pour Starlight Industries, c'est de faire venir un nouveau groupe plus frais, plus destroy, qui s'appelle les Misfits, qui sont des nanas qui sont habillées comme des panthères, là, c'est vraiment des catins. Et en plus, les Misfits, elles n'ont pas la passion, elles veulent juste se faire kiffer, parce qu'en fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais... Je sais pas si tu te souviens, mais Pizzaz, la leader des Misfits, en fait, c'est une connasse qui est déjà riche, en fait. C'est une riche héritière. Donc, elle a pas besoin de faire de la zik. C'est juste qu'elle veut se faire kiffer et prendre le succès des hologrammes. Tu vois, donc, c'est une vraie salope. Tiens. Dis-moi, tu envoies un peu à José d'Hélène et les garçons. Oh là 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 là. J'étais fan de José, ouais. Et voilà. C'est quand même le mec. Plus tard, tu l'as fait. C'est quand même le mec qui jouait le plus mal. Qui jouait le plus mal dans Hélène et les garçons. C'est quoi cette zik? C'est quoi, il y a eu un ton musical, non? C'était un défi remporté, il me semble. Ouais. Ça doit être ça. Petite tricose musicale. Donc, je vais finir. Dans Jem et les hologrammes, c'est qui Zambla? Oui, c'est moi qui ressemble à Zambla, putain, j'avais pas fait gaffe. Mais c'est le mec de Je suis pas rassuré ou de Derrière les rochers, là. C'est le mec un peu de Jet Setter qui est là, genre, ah, je prends le 4x4 que j'ai emprunté à Daffy. Ah, je connais pas. Parce que t'as jamais vu ce truc-là? Je connais pas. Bah, Zambla, il y a quelqu'un qui mettra 50 balles pour qu'on écoute Zambla, il n'y a pas de souci, ça va arriver. Zambla, regarde en bas, il y a un dauphin. Ah oui, en plus, oui. C'est pas faux. C'est vraiment dans les paroles de Je suis pas rassuré de Zambla. Il dit regarde à gauche, il y a des dauphins, c'est incroyable. On l'a vu déjà trois fois sur les Airbus, hein, Zambla. Zambla, lui tout seul, a rapporté 100 balles, hein, au moins. Donc c'est important. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a du défi, Julien Chaise aussi. Attends, on n'a pas fini Jam et les hologrammes quand même, parce que le mec a payé 50 balles. Faut... On va faire un résumé. Donc il se trouve que. Donc les Misfits, elles font ça pour se faire kiffer et du coup elles créent leur propre boîte parce que Jem vire Eric Raymond pour prendre la tête de Starlight Industries, tu vois. Et elles font des tremplins rock en tremplins rock pour devenir des stars pendant que les Misfits essaient de les tuer littéralement en engageant des meurtriers pour piéger genre tous les lieux de tournage des clips de Jem. Et donc dans un épisode, ils cherchent la cité secrète de Shangri-La au Tibet. Et le Yeti, bien sûr, les guide vers là-bas parce que quelqu'un est très malade et on ne peut la guérir qu'avec la magie de la musique de Shangri-La tibétaine millénaire. Et donc Jem revient avec le secret des musiques de Shangri-La pour pouvoir guérir sa petite sœur Kimber. Oh, voilà. Donc il se passe un truc de ouf. Ça passionne. Et à partir de la saison 3, un nouveau groupe de rock arrive dans le game qui s'appelle les Stingers. Et là, c'est un groupe où le frontman est un mec en fait qui s'appelle Riot. Et qui du coup son nom n'est pas sans rappeler le vrai mec de Jem qui est Rio. Il faut savoir un truc sur Jem, c'est que c'est une salope parce qu'elle sort avec un mec donc qui s'appelle Rio, c'est son amoureux avec les cheveux bleus. Et en fait elle sort avec lui autant. En fait elle sort, écoute cette merde, elle sort avec lui aussi bien en tant que Jem et aussi bien en tant que Jerrica Benton, donc avec ces deux personnages, sauf que lui ne sait pas que c'est la même meuf. Et du coup le mec passe son temps à penser qu'il cocufie ses deux copines, alors que c'est elle qui le cocufie en fait avec elle-même, et elle pense que c'est un salaud de pas lui avouer qu'en fait il se tape les deux, et elle lui dit jamais la vérité, donc les deux sont totalement torturés, malades et sont au bord du suicide à la fin de la série, où il n'y a aucune closure là-dessus. Vraiment, à la fin le mec finit quand même malade mental là-dessus. Et bien sûr le dernier épisode de Jem, parce qu'il faut voir quand même comment ça se termine, c'est que il y a des petites orphelines qui s'appellent Bunny, qui nous a fait chier d'ailleurs, ils ont fait un tremplin
Maroc pour lui payer sa chirurgie des yeux et tout le bordel. Donc vraiment, elle a foutu dans la merde le groupe 10 000 fois sur les 64 épisodes de Jamie les Hologrammes. Et Bunny, en fait, elle rêve de retrouver son papa. Parce que, bon, elle est orpheline. On lui dit, écoute, ton père, bah, il est pas là, il va pas revenir, voilà. Il est mort au Vietnam, ferme ta gueule. Et en fait, le truc, c'est qu'elle fait, mais non, mais vous, vous êtes orpheline, ok, vous avez assumé que votre père était mort, mais moi, je suis sûr, il est quelque part. Et en fait, son père était vraiment quelque part. Mais d'abord, c'est un kidnappeur qui aime les petites filles, qui la kidnappe et qui l'emmène au zoo pour l'acheter dans une cage au lion. Je déconne pas du tout. Et qui est doublé aussi par Philippe Auguste, qui fait la voix de Patrick Duffy, bien sûr, et de Musclor et de Capitaine Flamme. Et du coup, à la fin, ils font un grand goûter d'anniversaire parce que Bunny a retrouvé son papa. Et donc, la morale de l'histoire n'était pas il faut apprendre à vivre avec le fait d'être orpheline, mais non. Les orphelines, elles ont tout perdu, mais Bunny, elle, va être heureuse maintenant qu'elle a son papa. Alors que, en fait, ses sœurs lui disaient... Les sœurs de Bunny lui disaient, mais regarde, c'est pas grave, on est quand même une famille, c'est pas grave si t'as pas de papa, nous, t'es ma sœur, je suis ta sœur et tout. Et genre, tu vois, elle a une sœur blanche, une sœur noire et tout, alors qu'elle, elle est asiatique. Et elle fait, non, je m'en branle, je me casse, moi, vous me faites chier, je veux mon papa. D'accord. Et voilà, et ça se termine comme ça, et c'est vraiment de la merde en boîte. Bah oui, 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 ça a l'air, ouais. Et James, cette salope, se dit, comme Rio me trompe avec moi-même. Parce que quand je suis Jerica, je baise aussi avec Rio. C'est un connard. Donc c'est un connard. Et ben du coup, elle se permet de le tromper avec Riot, qui est le frontman des Stingers, un autre groupe. Et du coup, elle le trompe avec un autre mec en disant, bah, de toute façon, Rio, il me trompe aussi, mais avec moi-même. Donc c'est lui le plus gros salaud. Et donc elle part en croisière des semaines avec Riot jusqu'à ce qu'il l'emmène sur une île déserte. Et le mec fait semblant que c'est une île déserte, alors qu'en fait, il a Riot garé à côté parce qu'il veut juste baiser Jem pour lui sur l'île déserte. Et c'est vraiment la saloperie. Il y a combien de saisons? Il y a 3 saisons. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça. Ouais. Voilà, et donc c'est terminé. Voilà, bon, bah, ça va, il a rempli son objectif. Ouais, ouais. Le mec, on a eu forcément 50 balles. Ah, ouais, 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 il est bien là, ouais. Il est bien. Récapitulatif, le nerf, 1,42€ en enchère. Je sais pas où on en est, mais voilà, c'est un super nerf dédicacé par toute l'équipe ce soir. Donc voilà, celui qui arrive le plus haut le remporte haut la main, et c'est un nerf de bonhomme. Là, c'est pas le petit nerf pour les enfants, c'est comme dit Benzaï, celui pour crever les yeux. Voilà, c'est celui qui sert pour les grands, quoi. Tchac. N'avait plus Bernard Tapie. Bon alors, c'est tellement bon. D'amour. Alors par rapport au défi de Julien Chiez, personne n'a baqué encore. De quoi? Attends, je suis tellement ambiancé par les inconnus, j'écoute même pas ce qui se passe. Quoi? Non, parce que on m'a dit pour 50 balles. Non, c'était pour 100 balles. 100 balles? Alors on va dire 100 balles. 100 balles, tu t'appelles Julien Chiez là maintenant, quoi. Ah oui. Bah quelqu'un a donné ou pas? Bah, non, je sais pas. Pas encore. Pour 100 balles, on appelle non, Julien Chiez. Donné, bah, c'est demande, possible qu'il ne réponde pas. Hein. Un grain d'amour, c'est l'amour sans ouais, amour. Ouais, ouais. En fait, oui, voilà. Je sais. C'est un peu blanc, là, parce que forcément, derrière tout ça, c'est un peu compliqué de bronzer. Bah oui. Je t'ai fait aussi une petite ligne de coke. Donnez des lunettes de soleil. Vous avez des lunettes de soleil? Ouais, bien sûr, on a tout ce qu'il ah faut. Ah oui, putain, toujours, mais oui, tout. Ça va être l'ultime cosplay Zambla. Enfin, je le rencontre. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est tellement ça. Est-ce que tu peux dire, je suis pas rassuré comme ça, quoi? Genre, ah, est-ce qu'on peut mettre Zambla, je suis pas rassuré, comme ça on découvre tous ensemble. Zambla, la régie, s'il vous plaît, ah parce là que là, je comprends pas, en fait. Ah ouais. Ah ouais, là, mais moi je mets 20€, je donne 20€ des Airbus pour Zambla, pour qu'on mette Zambla, je suis pas rassuré avec le clip s'il vous plaît. Là c'est totalement alors, fou. En fait je me rends plus compte de rien depuis que je me suis rasé. Ah ouais, le clip, ouais. Oh putain. Mettez la caméra globale pour nous pour qu'on puisse voir le retour. Attends, regarde, tu la caches. Ah non. Voilà. Regarde ce clip. Oh putain, tu ressembles tellement à Zambla, bordel, c'est chaud, quoi. Tu vas voir. En tout cas, ça se lâche, hein, sur le chat de Twitch. Ah ouais, non, c'est là, ça hype, se lâche, hein. Grave. C'est lequel? C'est le mec, tu vois. Parce que là, c'est une meuf, ça. Tu vas voir. Ouais, en fait, c'est Zambla qui fait un stage, qui fait son baptême de l'air, et il est pas rassuré, voilà. Ah oh, putain, tu regardes, c'est le même à côté, quoi, putain. Oh là, le plus beau jour de ma vie, quoi. Parce que tu sais que je le harcèle depuis des mois pour qu'il fasse un featuring sur mon live. Hein. Attends, mais il faudrait que je le vois. Attends, un peu attends mieux, le générique, quoi. Attends le refrain. Ah, okay. Faut pas toucher. Mais parlons de la piste. Ah, ça tremble. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Ah, je suis pas rassuré.
Je suis pas rassuré. C'est tellement n'importe quoi. Samantha. Il y a dans le cul ton coco. Putain, ça tremble de partout. Attention, refrain. C'est vraiment de la merde en fait. Ouais. Ah ouais, okay, oh d'accord. Putain. T'es balèze. T'es balèze. Ça fume un peu, mais. C'est du ciel. L'océan, ça fait moins peur. Laissez jusqu'à ce que. Ouais. Laissez jusqu'à la fin. Je fous 20 balles, hein. Je fais mon don après. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Je suis pas rassuré. Vas-y, remettez la caméra bien sur Jay, le close-up s'il vous plaît. Comme ça les gens vont pouvoir se rendre compte. Je suis pas rassuré. Oh putain, je l'ai rencontré, bordel. Bourrez les screenshots hein, sur Twitter, je les veux. Non, hein. non, c'est pas nécessaire. Ah ouais. Je hein suis pas rassuré. Dis-toi que j'ai fait découvrir ça à Jesse Volt, star du porno international. Et elle m'a juré cracher. Tu trouves pas? Je sens presque les embruns. Attention! C'est incroyable. Alors, ouais, Jesse Volt, elle m'a juré cracher que une des prochaines scènes qu'elle ferait aux États-Unis où c'est genre, tu sais, genre, je suce une bête derrière un parking, vidéo authentique, et ben elle dirait, oh putain, t'es balèze dans le truc. Elle placerait du Zambla dans une prochaine vidéo YouTube. Prochaine vidéo porno. Pour vous, par dédicace, et donc ça c'est goldé, c'est pour vous, je vous l'offre. Oh là là, c'est vrai que c'est le cosplay Zambla, quoi, le vrai, quoi. Oh là là, mais franchement, si t'as pas gagné 1000 followers sur Twitter, après ce soir, c'est chaud, quoi. Des gens qui pensent que t'es Zambla, quoi. Et oui, en fait, c'était moi. C'est quoi ton Twitter déjà? C'est @j_gamerweb. Non, c'est jgameweb attaché. Jgameweb attaché. Voilà. Jgameweb attaché, @jgameweb attaché. Followez, putain. Maintenant, vous savez que c'est le premier sosie officiel de Zambla. Bientôt, il fera les tournées dans le Nord, dans la Picardie, au Macumba Club, le Mambo de Jambo, tout ça. Il y sera. Hein. C'est la bonne soirée. Il y aura aussi le sosie de Michael Vendetta qui sera là avec lui en featuring. Bien entendu, tu sais que ça existe vraiment, les sosies de Michael Vendetta. Oui, je sais. Ouais. J'ai vu une pub pour j'ai trié dans un boui-boui, c'était de la balle. Bon, bah voilà, hein, ça y est, vous êtes bien foutu de ma gueule. Alors, un petit peu. Un nouveau défi pour. J'ai l'air moins énervé, mais en fait, chaud maintenant. Je boue à l'intérieur, tu peux même pas t'imaginer. Mais ça va, il est quelle heure? 2h30. Bon, ça. Ah oui, il y a quelqu'un qui proposait 500 euros pour que tu te coupes une mèche. Est composé de 10 cheveux. Ouais, il y avait un mec qui disait je coupe une mèche de 10 cheveux. Euros, il est ouf. Pour 500 euros. À 500. Ouais. Ouais, 500 une mèche avec 10 cheveux. Ouais. Une mèche de 10 cheveux. Je les compte et je coupe. Ouais. Ouais. Je pense mais que tu c'est perdrais ça. Un peu de ta rage si tu les coupes du coup parce que toute ta rage de tes cheveux. Ta force ta mèche de Samson perd. Ouais, c'est Samson, ouais, c'est ça. 200 balles pour se raser le crâne, c'est pas assez. 10 cheveux, c'est quand même 50 euros le cheveu mon gars. Les cheveux les plus chers de France. Vu comme ça. Attends, je vais 50 euros 10 cheveux. Je vais regarder. Regarde ce que ça fait 10 cheveux sur toi. Bah, j'ai les cheveux fins donc. En tout cas, ouais. Ça me fait hyper plaisir que tu sois là. Là, je suis rassuré, mon gars. Ah, les gens sont en train de se dire ouais, franchement, 50 balles le cheveu pour les petits gosses. Te rends compte, tu offres une PlayStation 2. Là, tu offres une PS4 à un gosse. Du Valet Secours Populaire juste qu'avec tes cheveux quoi. Un bundle bien sûr avec tous les meilleurs jeux PS4 comme Knack, The Order et ça parce que ça doit être relou pour les gens. Et Tony Hawk 5 bien sûr. Il faut que je fasse mon don de 20 balles, hein. Rappelez-le moi tout à l'heure. Ouais. On a mis en blas. Et ça a foutu le feu sur le chat. Hein. Mais là, beaucoup plus que 10. Ouais mais ça va. Bon, attends, je vais me mettre à l'extérieur, je vais aller voir. On nous a demandé pour Bible Black, mais est-ce que les 100 euros sont tombés pour parler de Bible Black? Est-ce que James les hologrammes, ça a été. Plus les dons, on a fait le tour. On stagne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 4,42 euros pour le nerf dédicacé.
Ça vaut au moins 20 balles, 20,42, les amis. Et il reste encore 30 minutes. Il reste 30 minutes pour le nerf. Plus que ça ? Ouais. Ouais, non, le nerf, il est bah, déjà plus de que base, ça. Il vaut au moins 40 ouais, balles. Ouais, il vaut 40 facile. Balles, mais après, là, je l'ai signé, Zambla l'a signé. Zambla. Ah non, clairement, bah, t'as Benzaï, ah, oui. T'as Didier Bourdon aussi qui a signé sur le nerf, donc non, il y a de quoi ouais, faire là. Pour Bible Black, c'est 50. Oui, allez, 50 euros, je parle de Bible Black, y a pas de souci. Mais avec Jay, Jay, tu l'as vu toi, Bible Black ? Ouais. Ouais, bah du coup, on pourra en parler si tu veux. Non, non, il compte ce que non, ça non, là, fait. Là, pour le moment, il compte. Voilà, alors là, Jay est en train de compter les ouais, cheveux que... pour couper précisément. Hors contexte, voilà. C'est le voyant comme ça. Non, si jamais il y a effectivement ce don de 500 euros qui nous ferait dépasser la barre des 21 000, il se passe coup, quelque chose de beau. Parce qu'apparemment, c'est pas 12, 4, non, c'est 10. Précisément 10. Pour Jay, apparemment, c'est très important. Très, très. Oh putain. T'es balèze. Ça fume un peu, mais. J'ai confiance. Alors, ça dit quoi sur le chat ? Pour le coup, là, le coup de fil de Julien n'est pas baqué. Il est à 100 euros. Ouais. Ouais. 100 balles, on appelle Julien Chiez. Ouais. Et si ça vous ambiance, ça vous ambiance. On fait ça. Non, on reste c'est, en fait, sur non, le, je disais le chat, en fait, sur le chat là, genre, vous faites plus de pognon, racontez une, les histoires et avant des révélation. Oui, vas-y, dis-moi. A priori, dans l'école 42, il y aurait un étudiant qui serait le sosie de Jay. Mais il est où ? Faut le trouver ? Alors, moi j'ai vu le sosie nouvelle. De Paul Cuisset ouais. Hier. Il est venu en tant qu'invité. Paul Cuisset jeune, alors. Son fils caché. Il s'appelle Thor. Ah, c'est un staff. Alors, c'est pas un étudiant, c'est un staff. Il n'est pas là aujourd'hui. Hein. Il sera là demain, peut-être. Mais est-ce qu'on a une photo de lui ? Ah bah voilà. Voilà. Ça c'est l'amitié, ça. Ça c'est les on potes. Une photo de lui, bah oui, très ça, bien. C'est cool. Très bien, ça vaut le coup. Oui, Thor. Apparemment, c'est son prénom. Il s'appelle Thor. La classe. En tout cas, oui, hier, il y avait le sosie de Paul Cuisset, Cuisset, c'était énorme. C'est vraiment Paul Cuisset jeune, c'était trop drôle. Vraiment. Et son pote, c'était Mister MV. Son pote, c'était un peu Mister ouais. MV, ouais. C'est pas faux. Les bases de l'artwork Tracer ont été posées, apparemment. Suivez hein, Papa You là, dans le stream, dans le chat, hein, il dit des trucs cool. Ça se passe bien. Alors bon, par contre, là, bah, forcément, plus de Zambla, c'est comme être à court d'héroïne. Hein. Il y a un drop. C'est le bad, là. Vraiment, ouais. Si tu retombes, hein, c'est vraiment, c'est trop... Donc les amis, il va falloir ambiancer quelque chose. Moi j'ai donné un jukebox à 20 balles. Pour 50 balles, on peut parler de Bible Black avec Jay. Tu prends pas trop la tête, hein, Jay, parce que c'est pas backé encore hein, le pari. Hein. Non, mais tu permets que je regarde. Non, mais déjà, c'est très important. Ça va lui faire en moins. Ses cheveux ils sont tellement fins qu'en fait c'est comme si tu coupais rien du tout des cheveux, mais c'est important bah, oui. Quand même. Qu'est-ce que t'as pas compris, Benzaï ? De quoi ? Ça donne. Qu'est-ce qui se passe ? Ça donne l'invisibilité, effectivement. C'est qui Paul Cuisset incoming ? Ah ben non, mais c'était le monsieur qui était là plus tôt. Et là, il fait la promo de Motorracer bientôt sur PS4 à 60 FPS. Il m'a dit non, ce sera 60 FPS seconde. Donc j'ai déjà l'info. J'ai fait ouais, attends, Paul, c'est à 60 FPS seconde, tu vas pas déconner. Il m'a fait t'inquiète, je fais le taf, mon gars. Après, on a fait un brofist et. FPS ? Non, c'est comme TTC comprise, c'est 60 FPS seconde, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc ouais, je lui dis, écoute, ce sera 60 FPS, il fait, bah oui, bah attends, c'est bon, ma couille. Voilà, puis on s'est enjaillé, on a bu un pot, on allait au pute après. Alors, bonne 60 soirée. FPS par seconde, seconde par seconde. Bah il en est où le type de 500 ? Bah là, il n'y a rien de baqué, ça a juste augmenté de 7 euros en 5 minutes, là, ça bouge pas, là. Qu'est-ce qui vous arrive, vous vous endormez ? Alors ouais, on attend toujours les 500 balles pour... C'est... Jay, là, t'approuves, là ? Tu le fais ou pas, pour 500 balles ? T'as les 10 cheveux dans la main, il est prêt, donc Jay oui. Est prêt. Donc Jay est ready, s'il y a 500 balles qui tombent. Ouais. Ouais, c'est... peut mieux un peu, faire. Un peu plus nordique. un peu plus nordique, celui-ci. Et il est plus vénère, quoi. C'est le Jay super guerrier, quoi. C'est la transformation en Nozaru. Quoi. Ah, une enchère sur le nerf, on n'est pas... 25-42 pour le nerf, bravo mon gars. Ça commence doucement à être raisonnable. Tout doucement.
Donc, on attend donc les 500 balles pour que Jay se coupe une mèche de cheveux. Il vient le faire en direct, il n'y a pas de souci. On attend les 50 balles pour parler de Bible Black. Vous pouvez toujours en chair, bien sûr, sur le nerf. Vous pouvez toujours faire des dons d'un euro. Oui, des dons dans le vent, mon gars. Voilà, tout à fait. Mais oui. Ou balancer vos propres défis également. On peut regarder, pour un cosplay, voir, tu vois, ce qu'on fait. C'est vrai. C'est vrai qu'il a rien demandé. Ça me rappelle que vous avez ma barbe, donc vous êtes vraiment des salopards. Voilà. Montre-nous ce que ça fait. Ouais, ça fait ça, voilà. Wow, wow, wow. Ouais, ça fait que dalle. Regarde. On voit même pas la caméra. Ouais, c'est bon. Là, il y en a peut-être même. Ce petit truc. Il y en a beaucoup plus. Il est généreux. Il est généreux. Bon, ben allez, ça tombe. Si le mec a balancé des paroles en l'air, c'est pas cool. Non mais ça va, oui. Unité soir je m'en branle, c'est pour les gosses, j'en ai rien à foutre, voilà. Mais oui. Bien. Alors, faut que tu parles dans le micro comme quoi t'as pas de dignité. Ah, 50 euros pour la blague des pyramides, j'avais oublié ce défi. Jay, est-ce que tu connais la blague des pyramides? Nine. Racontée par Vincent Lagaffe lors de l'or à l'appel quand j'étais en CM2. Mais ça m'a marqué parce que c'est une bonne blague. Non, mais il a une super mémoire hein, ce garçon. Quand même. Donc attention. Ouais, pas mal. Jay. Oui. Tu vois, c'est un Belge. Il est allé en vacances au Japon. Et en fait, il revient et il y a son pote, il revient du Japon donc, il y a son pote qui fait oh, hé, hey, t'es allé au Japon. Alors pourquoi je lui fais un accent bizarre? Les accents vont rien vouloir dire. Il fait Opinico, t'es allé au Japon. C'est son pote qui vient de Gascogne. Il fait Opinico, t'es allé au Japon? Il fait bah oui, je suis allé au Japon. Et il fait genre mais putain, vas-y, est-ce au combat les Nippones? Est-ce au combat les Nippones? Et du coup, il fait quoi? Les Nippones? Il fait « Ouais, ouais, les Nippons, ils sont communs. » J'avais dit que je ferais durer la blague, donc attention, ça va être chiant. Il fait « Ouais, les Nippons, ils sont communs. » Il fait « Ouais, pas mal, la Nippon, pas mal. » Il fait, en fait, il est là genre « J'ai rien compris, putain. » Donc il rentre chez lui, il regarde dans un dictionnaire, c'était avant Internet, hein, c'était l'heure à l'appel, hein, je vous rappelle. C'était avant le Big Deal, donc c'est vieux. Hein. Donc, Vincent, et donc, du coup, le mec, il rentre chez lui, il regarde dans un dictionnaire. Attention, la punchline est folle. Hein. Et il voit, en fait, il cherche « Nippon, Nippon, Nippon », il voit genre eh bien, femme habitant au Japon, enfin, comme tu le savais. Et donc, il fait putain, je passe pour un con avec cette aventure là. J'ai pas même pas foutu de savoir ce que c'est une Nippon et tout. Donc il est genre merde, je vais pas me faire avoir. Et du coup, il va à Madagascar et il revient de Madagascar parce que bon, c'est un mec qui est riche quand même, il est un peu con mais il est un peu riche. Et du coup, t'as son pote gascon, il fait putain, oh, oh, les malgaches, ils sont quoi, putain, les malgaches. Et du coup, il fait les malgaches, comment c'est quoi ça, des malgaches là? Puis il fait mais ouais, putain, quoi, ils sont comment les malgaches? Il fait mais pas mal, ouais. Et il rentre chez lui, il fait merde, quoi ça, merde, les malgaches et tout. Et du coup, il regarde dans un dictionnaire, malgache, il voit genre, j'ai une femme habitant à Madagascar et tout. Il fait mais putain, je suis con, merde, je passe pour un con, je voyage partout, je suis pas foutu de savoir ça. Et du coup, il en a marre et tout, et du coup, il va en Égypte. Il va en Égypte, tu vois. Attention, Gad Elmaleh, là, ouais, rigole avant. Il va en Égypte. Et du coup, quand il revient d'Égypte, il est tout fier. Il fait genre... Et ouais, je reviens d'Égypte, mon gars. Et son pote gascon, il fait genre... Oh putain, oh, tu reviens d'Égypte. Et alors, les pyramides. Et le mec, il fait... Oh bah, les pyramides, elles toutes des salopes. Putain. Waouh. 50 euros. Ouais, pour 50 euros. Ouais. Mais si... Non mais moi je suis pas fier de... En fait c'est le jeu, wow. C'était que la blague était pourrie d'avance. Pour faire, j'ai dit pour 50 euros je la ferai durer, ce sera bien nul. Et je l'ai, voilà, j'ai fait durer, c'était bien chiant. J'aurais pu aller dans d'autres pays, hein. Sois content que ça n'ait duré que deux pays avant la punchline de ouf. Qui était bien sûr que les pyramides sont des salopes, alors que bien sûr hein, les pyramides sont les habitants gentilles. De Pyramidie et pas de l'Egypte. Le désespoir de Jay. Non, mais je suis en deuil de ma barbe, là, c'est terrible. Benzaï est content, c'est ce qui me choque. Il recherche de l'aide du regard. Ah non, mais je m'en fiche, dans le chat, chez vous, vous avez rigolé. Hein. Ah, mais après, écoutez, c'est une blague de Vincent Lagaffe qui a 25 ans, donc c'est quand même, soyez gentils. À l'époque, l'humour était moins drôle. Du moins, l'humour sur TF1.
Avant, bien sûr, hein, les mythiques bonbons de Bill et toutes ces conneries hein, qu'on regardait habilement. Ah ouais. En fait, c'est mes parents qui regardaient les bonbons de Bill et après, ils disaient genre, mais putain, mais tu vas pas t'abrutir devant tes jeux vidéo le soir. Mais le big deal, c'était signé tous les soirs en mangeant, bien sûr, les bonbons de Bill. Voilà. Voilà. Bonjour, maman. Le big deal, c'est à 19h. Tu mangeais super tôt. Ah ben moi c'est 19h, je sais pas quoi. C'est peut-être un truc charentais, mais pour moi 19h c'est le steak frites et puis voilà quoi. D'accord. Bon. 19h c'est l'heure où on mange. Et je veux dire en Finlande c'est 18h l'heure où il faut manger quoi. Les mecs à 19h sont au bar quoi, ils ont fini quoi. Donc c'est culturellement à 19h c'est normal, ça me paraît normal. Hein. Ok. Je te le dis ça comme ça, écoute. Donc, ouais, voilà. Donc le big deal, voilà. Aussi, l'heure bien. À l'appel, et bien sûr ensuite, hein, tout le monde se souvient de la merveilleuse émission de Vincent Lagaffe, qui était Crésus, avec une autre mascotte en 3D, qui était un espèce de squelette dégueulasse. On se souvient plus trop de Crésus. Ouais, mais c'est, Crésus. C'était il n'y a pas très longtemps, c'est encore 6. Bah, le truc, c'est que si en fait, c'était 6 il y a longtemps, mais en fait, on veut tous l'oublier. Quoi. Switch. Allez, bah oui, parce que techniquement, je fais l'intérim, là. Vas-y, prends le truc. Attends, je vais vous aider. Les 100 euros, ouais. Pour l'appel à Julien, c'est ça? Ah, l'appel à Julien est tombé. Bah voilà, les 100 euros sont tombés. Tu verras, bravo. Julien, c'est bon là. Voilà, le Vincent Magaffe. Là, t'es bon, il y a juste tes cheveux, mais on est bon, ouais. C'est bon? Bah ouais. Et on a dépassé les 21 000 euros ou pas aussi du coup? Allez, bravo. On y arrive petit à petit, petit bonhomme. Putain, on s'est pris un coup de jus avec Benzaï quoi. Ouais. Il m'a transmis son énergie. C'est ça, négative. Alors du coup le coup de fil du coup apparemment c'est bon quoi. Y a le bidule derrière. Alors là moi je veux franchement si des gens de ma commu sont là, hein, franchement je veux un max de Photoshop Zambla Jay. Franchement, il faut qu'il y en ait plein, quoi. Franchement, je veux des là tu fais Jacques Facial, des j'aime pas trop le missionnaire, toutes les répliques cultes de Zambla, bien sûr. Parce que Zambla n'aime pas trop le missionnaire, il aime pas voir le tête de son partenaire. Ah, ça m'étonne pas. Voilà. Bon alors, on a l'appel à Julien Chies, alors. Donc, alors, l'appel, comment, qui c'est qui a un téléphone avec Julien Chies? Alors, John, voilà. Je sais Julien. Que John a le numéro Julien, de Julien Chies. Mike, on l'appelle Julien. Faut appeler Julien. Mais il y a quelqu'un qui a donné 100 euros. Mais au pire, il raccroche, mais il y a quelqu'un qui a donné 100 balles. Mais non, mais si on l'a au téléphone, on lui explique pourquoi. Bah oui. Bah oui, on s'excuse, mais on l'appelle quand même. C'est rigolo. Ah, mais on a validé il y a 10 ans. Ah, mais oui. Ouais. C'est ça le truc aussi. T'as pas voulu faire le cosplay Miko Black et on appelle Julien Chies. T'étais c'est... pas là, voilà. On a pris la décision sans toi. Non, on a promis. Donc quelqu'un sort son portable, si quelqu'un a le numéro de Julien Chies. Ouais. Ouais. Ah ouais. Alors, monsieur le président Michael Newton ne veut plus de défi musique. Ah oui, le mec a le numéro, mais il veut pas appeler avec le sien, donc je veux bien appeler avec le mien. Alors, plus de clips. C'est fini selon le jukebox, les envies des, plus de jukebox. Des gens, ouais. Est-ce qu'on peut éventuellement passer le petit beurre pour 100 euros si quelqu'un a vraiment très envie du petit beurre? Oui, c'est bien. Allez, le petit beurre pour 100 euros, c'est la seule. Non, les défis musicaux, on peut dire que c'est à partir de. Voilà, 100 euros pour les défis 100 musicaux, voilà. Voilà, donc tout est passé à 100 euros en fait. Voilà, parce que le mec en a marre. Ouais, franchement, le petit beurre, c'était signé tout de suite. Alors, maintenant, c'est même plus sur un piédestal, en fait. T'as le numéro? Attends, j'ai pas laissé mon téléphone sous... Non, il est là. Mis là. Ah oui, avant, pour l'enchère, faut toujours que ça se termine par .42. Ouais. Dès que c'est le cadeau, c'est 42. Parce que là, attends, pour le coup, on est encore pour le bouquin. À 20,42€ pour le moment. Apparemment, il y a un mec qui a mis 25€ pour que... Pour que je lui parle de mon bouquin. Attends, j'appelle Julien Chies, on fait ça. On fait ça suite. Oh là là, alors 06. Ouais, on dirait Meatloaf, ouais, j'avoue. 87, 60. Pourquoi je dis mais vraiment. Je vous ai dit, j'ai plus de dignité, c'est foutu. Voilà. Et je fais ça pour la bonne cause, Jay. Tu dis bonjour avec moi. Hein. Je le mets sur haut-parleur, je teste un truc. Hein.
S'il ne répond pas, on n'est pas responsable. Hein. Bah ouais, il doit pioncer peut-être. Ça arrive à 3h du matin, c'est le jeu chose qui arrive. Et quelle heure ? Ah, 3h moins le quart quand même. Bon bah Julien, c'était Jay et Benzaï. On est en direct sur Des Airbus. Voilà. Et on nous a demandé de t'appeler pour un 100 don euros, ouais. Pour 100 euros. Donc on s'est dit que de toute façon tu serais pas contre vu ton grand cœur. Et donc du coup voilà, on l'a fait. Et je sais pas si on t'a réveillé donc, ou quoi. Merci d'avoir participé voilà. Indirectement. On l'applaudit quand même. Merci à allez, tous. Jus. Merci d'avoir participé indirectement au Des Airbus de l'espoir. Tu as fait gagner 100 euros au Secours Populaire. Merci mon gars. Ah merde, mais mon truc s'éteint toute seule. Ah mais j'ai plus de batterie, j'en peux plus. Ah, faut que je recharge mon téléphone. Attends, je pars en expédition téléphone. Merci. Merci à lui. Ouais. Donc du coup, Jeff. Oui, alors oui, pardon. Ouais, bah, désolé pour le mec. Il y a 25, enfin Camille, 25 euros il y a une heure, mais je devais être en train de me raser. Désolé. Hein, voilà. Oui, il y a quelque chose de prévu. Oui, c'est chez Ford. Mais je peux pas donner la date pour le moment, mais a priori, oui, ce sera en 2016. Voilà. Et ce sera gros. Enfin, ce sera un gros bouquin. Ce sera pas un petit truc de. Je pense qu'on va dépasser allègrement les 200 pages. Ce sera un gros. Sur un jeu ? Ce sera sur la série FF13, donc c'est-à-dire sur la trilogie. Sur la série, d'accord. Ouais. Sur la trilogie FF13. Okay. En comptant évidemment les bouquins qui en disent plus sur le background des personnages avant FF13, après FF13, avant FF13-2, etc. Ok. Mais je peux pas vous en dire plus pour le moment. Je veux pas me mettre mal avec. En tout cas, je veux pas les mettre dans l'embarras. Mais oui, ça arrivera probablement en 2016 et ce sera costaud. Voilà. Du côté des CM, est-ce que vous avez relevé des questions par hasard ? Non, vous êtes timide là, sur Twitch. Ouais, sachant que là, vu que j'ai là, vous pouvez rebalancer les questions. Ah oui. Je peux plus me raser, désolé. Là, c'est mort. Il a fait le max. Là, c'est mort. Après, il y a 500 € pour. 500 euros pour couper la petite mèche de cheveux, ce qui est quand même pas mal. Oui, il y a encore 500 balles. Il y a quand même un gros défi. Mais après, si vous en avez d'autres et tout ça, on regarde et si ça passe, tant mieux. Hein, on n'est pas obligé, même si c'est en dehors de la sphère jeux vidéo, comme le rasage qui est très très bien. Pareil pour les questions et tout ça. Vu l'heure, on peut se permettre de parler un peu de tout, un peu de rien. Ça marche aussi, hein, évidemment. J'ai lancé un défi. Alors, fils de pute, je pense, puisque c'est FDP. FDP, tout à fait. Quel défi fait. Aussi tu as un avis sur Oscar Le Maire ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Oscar ? Il est bon dans les chiffres. Est-ce que la régie peut changer le nom de Jay en dessous et mettre Zambla ? Ça me ferait rire. Ouais. Que officiellement, vous pouvez le faire, franchement, j'en ai rien à foutre. Ah merde, j'aurais dû prendre mon téléphone et faire le don de 20 euros direct. Putain, les mecs. Je me rattraperai demain. Très compétent en Dark Souls et beaucoup de difficultés à écrire. Un avis sur Fallout 4 j'ai déjà donné plus ou moins. Ouais, t'en as parlé, ouais. Que c'était pas pour toi parce que t'avais pas aimé Fallout 3. L'avis sur Street Fighter 5. Street Fighter 5, tu as joué un petit peu ou pas ? Un tout petit peu. Bah moi j'ai pas beaucoup joué non plus. Et j'ai pu tester par contre les persos, genre Rashid, tiens les nouveaux persos là. Ah ouais, je vois. Et Rashid est très très cool, franchement. Mais toi, t'aimes beaucoup les RPG, mais tu joues à tout genre de jeux vidéo ou... Est-ce que tu joues à Forza et à Halo ? Bah, ça dépend en fait, ça dépend les jeux. Ça dépend. Forza, j'avais joué un petit peu aux 3, ouais. Il y a le 6 qui est sorti. je réponds en fonction de ce que j'ai fait. Point and click, oui. Aux jeux d'aventure en règle générale, oui. Les jeux d'action. Beaucoup, oui, aussi. Les FPS, je suis absolument pas contre. J'aime bien les FPS, ça me détend.
Mais sinon, oui, essentiellement, c'est des RPG, des action RPG, tactical RPG, des wargames, du RTS, enfin, tout ce qu'il y a un petit peu de fond, ouais, je dirais, et un petit peu d'histoire, c'est-à-dire qui est écrit, quoi. Sinon, ça m'intéresse pas trop. Et les jeux de bagnole, j'appelais ça les simulations de Gerbo Mobile à une période, parce qu'il y avait tout un tas de jeux de caisses merdiques. On n'était plus à l'époque des Toka, des Colin McRae, etc. Ouais. Voilà, donc... Je dirais bon, RPS 3, je tenais un truc ouais. sous le coude. C'est de quelqu'un qui a balancé apparemment plus de 60 balles 42 pour le nerf. Nerf, ah, pas mal. Donc apparemment ça c'était signé. Alors il y a quelqu'un qui veut dépenser 1000 balles pour un clone dick, ça n'arrivera pas. C'est clair que non. C'est trop nous en demander là. Alors pour le nerf, il reste 8 minutes pour le remporter. Ah ouais, il reste 8 minutes pour le nerf et je crois donc que l'enchère est à 60,42. Donc vous pouvez faire plus. Hein, et les visuals novels, oui aussi. Enfin ça dépend lesquels, encore une fois. J'aime bien quand ça mélange, enfin quand il y a du gameplay aussi derrière, genre dans les Sakura Taisen. Et sinon, le vrai gros truc bien qui m'a bien plu ces dernières années, c'est Danganronpa. On ne dira jamais assez à quel point c'est génial comme jeu. Jet, c'est très bien. T'as déjà bossé avec Gérald Mercer? Non, je n'ai pas bossé avec Geralt. C'est un de mes lecteurs à la base, il a fait son truc derrière, et voilà, il a fait son truc derrière. Maintenant, je crois qu'il fait un autre truc, mais je ne suis pas trop. On Merci, doit être docteur. En contact de temps à autre, mais c'est tout. Benzaï, as-tu joué à Artificial Academy 2? Non, mais le dernier jeu que j'ai testé là-dedans, c'était Artificial Girl 3, mais je n'ai pas testé Academy 2. Mais c'est des jeux qui sont chauds à choper, vraiment, quoi. Vraiment, c'est presque un miracle chaque fois quand tu fais tourner, mais je demande que ça. J'ai vu qu'il y avait un nouveau Sexy Beach et j'ai halluciné et il me faut absolument. Quoi. Alors, on me dit qu'on va bientôt voir passer le dessin de Papayou. Cool. Oh, bon, nice. Attends, je vais juste répondre comme ça, pêle-mêle. Un avis sur Heavy Rain, c'est de la merde. Zero Escape. Zero Escape, c'est mortel. Ça va un Undertale. Petit peu vite. Undertale, je l'ai pas encore fait, mais c'est prévu. C'est prévu. Après, même si les Inrock ont dit de la merde dans leur article, comme quoi c'était le premier jeu où on pouvait parler avec les monstres et où on devait pas les tuer, etc. Négocier, ce qui est une aberration absolue. Mais sinon, enfin, en tout cas, j'ai envie d'y jouer pour t'as voir. T'as quoi comme exemple du coup de jeu qui permettait les. Bah, les Megami Tensei, rien que ça. Ah oui, mais oui. Bon, où ah tu oui, discutes oui, avec oui, le oui, monstre. Ça fait partie vois, du truc, oui. En plus, c'est un peu la mécanique principale de dans les... le combat qui a été ajouté. Alors que Shin Megami Tensei, c'est vrai, ça date de. Ça a 20... C'est une série qui a. De mémoire, ça doit être 86 ou 87, mais ils peuvent me corriger. Le premier, c'est sur Famicom. Le Megami Tensei, ouais. Ils en sont aux 4, c'est ça. Ah, ils en sont à beaucoup plus. Puis il y a eu les Chines et hein, une période quand ils ils ont fait Persona, c'était vraiment en mode on se fout de la gueule du monde. En fait, on fait un Shin Megami Tensei avec Persona. Les deux premiers, c'est un peu ça. C'était pour occuper le terrain et avoir un Shin tous les ans. Et après, ça a été un peu dévoyé puisque ça a changé de tête derrière et ça a donné Persona 3. Qui me plaît beaucoup moins, pareil que, enfin le 4 il est mieux mais pareil ça me plaît beaucoup moins que les anciens. Après le 5 ouais comme j'ai dit tout à l'heure à bloc quoi, vraiment à bloc. Canard PC, qu'est-ce que tu bonsoir c'est qui il y a un Julien C mais je sais pas si c'est vraiment lui. Je le vois passer depuis deux jours mais je qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de Canard PC ouais. On me demande. Ouais. Mais j'ai vu passer plusieurs fois ce truc là. Pas grand chose, je pense qu'ils font ce qu'ils ont à faire, ils le font bien et surtout ils arrivent, enfin j'aime bien leur style, c'est-à-dire de réussir à être aussi drôle en étant à la fois aussi pertinent, je trouve que ça manque un petit peu. Après je suis pas toujours d'accord dans leur orientation ou dans leur manière de faire de la presse, mais ça c'est purement perso quoi. Mais en tout cas bon, je pense que c'est un bon canard quoi. Ok. Alors, une question CM là-bas. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux de l'arrivée de Cloud dans Smash? Donc en gros, est-ce que ça allait donner votre argent pour moi, y jouer? Moi, je m'en fous. J'en ai rien à foutre aussi. J'achèterai pas l'amiibo Cloud. Voilà, merci. Merci. Il y a des tas de gens qui mettront... Par contre, j'ai vu un mec qui était prêt à mettre 40 euros pour que tu m'expliques la mythologie Xenogears. Oh putain, 40 c'est pas assez. Parce que ça a duré des plombes. Bah ouais. T'as pas une version courte?
Non. Merde. Je sais pas faire court. Non, je suis dans la merde. Alors petite parenthèse, il y a Papayou qui a déjà bien bombardé sur la Tracer, donc le perso d'Overwatch, qui sera du coup qu'on voit. Voilà le dessin de Papayou. Sera mis aux enchères demain. Donc Papayou, je vous laisse regarder sur Google ce qu'il fait. Donc graphiste, dessinateur, le mec c'est une machine, la machina. Il nous a fait ça entre temps. Et donc voilà, ça sera aux enchères c'est beau gosse, hein. Demain. Il est bon. Hein. Et pareil, si tu regardes, il a fait Fatal, donc qui est le sniper, enfin la snipeuse d'Overwatch. Et pareil, il l'a fait. Mais ah, c'est pas c'est Fatal. C'est une petite dinguerie. D'accord. Ça va, le gars a du talent quand même. Hein. Le gars est pas mauvais. Hein. Le mec dit. Le gars a du talent quand même. Ouais. Depuis tout à l'heure, là où il nous a demandé le truc, c'était quoi, il y a une heure, non? Quand on a dit Tracer, ouais, c'était il y a une heure ou deux. C'était il y a une heure ou deux, ouais, et du coup, il t'a fait ça. Donc, d'accord. Et il fait des live Twitch, il a du coup une chaîne où il fait n'importe quoi, il live dessine. Ouais, non, mais il touche bien. Il est bon, le papayou. Enfin, j'ai vu un peu très bon chef-d'œuvre. Il avait déjà fait avant, mais. Mais ouais, non, le mec est bon. Je savais pas qu'il bossait aussi vite, en fait. Parce que je savais qu'il bossait bien. Mais pour moi, bosser bien, ça nécessite c'est du peut-être temps. Pas compatible parfois avec bosser vite. Ouais, bah, si jamais le mec est capable de faire ça vite, c'est cool, quoi. Enfin, il a du talent, quoi. Ouais, c'est que le début. Hein. Après, il y a des raccourcis dans le dynamisme pour obtenir ce genre de rendu, justement, quand les mecs touchent vraiment bien, ils peuvent directement, en fait, juste avec un nouveau calque, en fait, tu vois, il fait des traces blanches qui redonnent tout le dynamisme, comme quand tu fais un mapping spéculaire sur de la 3D, en fait, là, c'est pareil, tu donnes juste, par exemple, tu vois, genre sur l'épaule, il fait non, ça doit être blanc, en fait, par rapport à la lumière. Et du coup, ça crée tout de suite l'impact. Et en fait, le truc, c'est que derrière, il va peut-être repasser en fait 3 heures sur le truc. Et finalement, de loin, tu auras l'impression qu'il n'aura rien changé. Alors qu'en fait, justement, là, tous les shaders, c'est en fait c'est des aplats un petit peu à la truelle, mais tellement précis. Non, mais vraiment. Et tellement précis. En fait, c'est vraiment du speed painting. Et ça se voit que là, c'est vraiment des techniques en fait qui sont très avancées pour obtenir un résultat qui ressemble au pro. Mais en fait. En fait, c'est que tu peux arriver très vite à ce résultat-là, et ensuite, pour arriver au vrai résultat hyper léché pour l'impression, tu vas passer en fait des heures et des heures à la finition du shader. Putain, je vois des questions. J'ai un avis sur le réchauffement de la planète. Vous êtes vraiment con. Mais j'aime bien l'idée que des mecs posent des questions comme ça à 3h du mat. Ça prouve qu'ils sont dans le bon esprit. Alors, je vais juste répondre à Life is Strange parce que je le vois passer, là, les mecs bourrines de.